Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc, des perspectives pour l'avenir, eh ben, pour notre gouvernement, notre président, et puis pour les légitimistes, les catholiques et légitimistes. Donc, au niveau politique, aujourd'hui, donc nous sommes au mois d'octobre 2019. La première chose qui me paraît le plus importante, c'est qu'il faudrait que notre président de la République, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui est aux responsabilités, faire une sorte d'audit avec Poutine, Trump, le président chinois, le premier ministre indien, et puis tous les pays de la Terre, de faire vraiment une audit sérieuse de la finance internationale, pour voir vraiment comment marche la finance internationale. Et de rendre public ça, ça serait très intéressant. Voilà. Personnellement, je suis un peu particulier. Je suis pour le capitalisme populaire. Je trouve qu'une des conséquences de l'esprit chevaleresque français, c'est-à-dire quand quelqu'un est vraiment français et donc sert la France dans les trois parties dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire le travail, la défense et le travail, la défense et puis la religion, le spirituel. Il faudrait qu'il y ait une partie de sur notre compte en banque, il devrait y avoir nos actions que l'on a à la SNCF, chez Air France, chez EDF, au Gaz de France, etc. Toutes les entreprises qui ont une fonction stratégique pour la France, y compris l'armement, etc. Il faudrait que ce soit les Français qui soient actionnaires. En positif ou négatif. Donc quand il y a en négatif, évidemment, ça rapporterait pas d'argent, mais on veillerait quand même à faire que ça en rapporte. C'est-à-dire que ça serait jamais débiteur, les comptes. Mais par contre, quand il y aurait l'argent, si ça rapporte de l'argent, à ce moment-là, ça serait crédité. Moi, je trouve que ça serait pas mal. Et donc, évidemment, intouchable. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas ni acheter ni revendre, quoi. Ce serait comme ça. Je trouve que ça serait pas mal. Bon, enfin bref, il y a vraiment un problème au niveau de la finance aujourd'hui. Alors après, les choses. Donc si on arrivait à faire un revenu universel, non pas que pour les Français, mais pour tout le monde, à ce moment-là, il y aurait des perspectives intéressantes pour la rémigration. Parce que je pense vraiment qu'un pays catholique, chrétien, enfin catholique, royal et tout ça, est plutôt incompatible quand même avec l'islam. En plus, les musulmans ont plein de pays où être heureux. Il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Afghanistan, l'Irak, voilà, puis d'autres au Sahel, etc. Enfin bref. Donc, voilà, pour ceux qui veulent vraiment vivre leur islam, etc. Après, qu'il y ait des gens qui sont issus de ces communautés puissent demander à la France de rester parce qu'ils veulent devenir chrétiens, etc. Alors ça, c'est autre chose. Et là aussi, il peut y avoir par contre une rémigration. Mais dans un premier temps, je pense que ça serait vraiment bien de faire dans ce sens-là, quoi. Mais bon, c'est un point de vue, hein, j'ai peut-être tort. Mais je pense que ça serait vraiment intéressant. Il y a plein de choses à dire. Hein. Je pense qu'il faudrait aussi que l'État se s'allège énormément, hein, au niveau et que de pouvoir, par exemple, quand on crée une société, qu'on paye pas des impôts tout de suite, qu'on attende 2 ou 3 ans. 3 ans, moi, je trouve que ça serait bien pour que le service des impôts dise bon, comment marche votre boîte, etc. On commence à vous prélever un peu, quoi. Mais faire beaucoup plus de fluidité. Bercy, c'est un expert comptable, avec 3 ou 4 comptables, je veux dire, là, ça n'a pas besoin d'être aussi grand, quoi. Il y a un allègement de l'État énorme à faire, quoi. Voilà. Au niveau de l'éducation, il y a l'éducation nationale. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, les gens ne sont peut-être pas prêts à ce que la Sainte Foi catholique soit la religion d'État, mais il faudrait déjà qu'elle ne soit pas persécutée et puis que les élèves à l'école puissent avoir un bon catéchisme et puis puissent apprendre la métaphysique, etc. Ce sont des choses importantes.
plus la véritable histoire de France, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très délétère, quoi. Voilà. Donc ça, il y a des réformes aussi à faire là-dessus. Il faut que le roi soit et la reine soient sacrés à Reims et qu'il y ait une sorte de régence populaire. C'est-à-dire que ben, on les a quand même fait beaucoup souffrir. Louis XVI a eu la tête coupée. Charles X est parti en exil. On l'a obligé à partir en exil. Marie-Antoinette s'est fait aussi couper la tête. Madame Élisabeth. Et puis, enfin, il y a énormément de gens. Puis beaucoup de Français ont souffert de la Révolution française. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une sorte de régence populaire, c'est-à-dire que le roi, il y a une partie, le roi, la reine et leurs enfants, il y a toute une partie affective qui est très importante, c'est-à-dire que c'est pas le roi qui tyrannise comme la République a voulu nous faire croire, ce qui a été très peu le cas d'ailleurs dans l'histoire de France, mais c'est ce sont un peu nos enfants, c'est notre cohésion nationale, c'est notre cohésion, oui, nationale, donc notre cohésion du royaume de France. Ce sont des êtres chéris, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pas très rationnel ce que j'explique. Voilà. Écoutez, j'ai dit pas mal de choses déjà sur cette vidéo. J'en ferai d'autres. À très bientôt. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.